Yo les gars, c'est Nabets, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Et aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de notre aventure sur Five Nights at Freddy's Into the Pit. Donc on rappelle du coup, c'était on avait retrouvé du coup le téléphone. Et maintenant, il faut je crois bien du coup aller dans la cuisine. Attendez, non? Si, c'est ça. Il faut qu'on retourne dans la cuisine. Et on a le numéro de téléphone qui se trouve donc juste ici. C'est le numéro de téléphone de maman. Et vous savez quoi, pour être sûr que tout se passe bien, on attire Spring Bonnie juste ici. Il est dans la chambre à côté. Ça marche. Bon, du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre ça. Le téléphone de maman, on le connaît déjà, bien sûr. Donc. Voilà. Appelle maman. 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 Ok, bonjour. Coucou maman. Maman, c'est urgent, qu'est-ce qui se passe? C'est papa, il y a quelque chose qui tombe pas rond. D'accord, j'arrive tout de suite. Oh putain! Ouh, je m'attendais pas. Non! Merde! Oh, je suis une merde, hein. Merde! Oh non! Oh non! Oh, il va vite, il va vite! Oh putain, la vache! Mais il est cinglé, les mecs! Il est complètement cinglé! Ta gueule le chat! C'est un ouf le chat! Non! Si cette chose se tenait là, est-ce qu'il y aurait un lapin dans le reflet ou mon papa? Oh, j'avoue, faudra voir! Faudra regarder! Je le connais par cœur maintenant le numéro, c'est un truc de ouf! Bon, on rappelle encore, hein, jumpscare, attention! Ok, je me tiens prêt les gars! Mon Dieu. Oh la vache. Ça fait peur et c'était rapide, hein. Bon. Il est parti. Ça doit être maman. Oh putain, elle ouvre. Elle est à la maison. Attendez, mais faut que j'y aille du coup. Oh maman. Ok, donc on a enfin retrouvé maman. Maman, papa s'est fait enlever, remplacer par enlever, remplacer? Est-ce que c'est une farce sous Walt? C'est pas papa ça. Hein. Papa, là, t'allais bien. Tu devrais savoir qu'il ne faut pas faire de fausses urgences quand je travaille. Mais tu n'arrives pas à le voir? Je vois que papa va bien. Je ne sais pas ce qu'il t'arrive, mais va dans ta chambre et calme-toi. Je dois retourner à l'hôpital. Mais. Bah, j'imagine que tout dépend de moi. Papa doit être bloqué dans la piscine à boules. Je dois retourner chez Jeff. Trouver un moyen de t'échapper. Ok. Oh, stylé Lendo. Je dois trouver un moyen de quitter cette maison et rejoindre ton papa. Par la fenêtre? Oh oui, c'est ça. Pff, le loquet est bloqué par la rouille. Mais je crois que je peux encore défaire les boulons. Je dois trouver un tournevis. Très étrange tous ces bruits, hein. Oh merde, forcément. Cache-toi vite. Ok, c'est bon. Ça marche, j'y vais. Alors, qu'est-ce que c'est que cette salle là? Je sais pas ce que c'est là. Ok, là. Merde! Non! Je croyais que c'était le tournevis. Corde! Oh, j'ai une corde, ok. Je n'arrive pas à atteindre la fenêtre. Papa a une échelle quelque part par là. Faut que je me cache parce que là, il arrive. Hein. Il va venir forcément. Oh putain, j'ai chaud. Mécanisme de résistance au poids. Donc attends, c'est quoi le délire? Faut que je trouve une échelle. Il est pas là. Je crois savoir où pourrait être l'échelle. Non, pas ici. Oh non, le bâtard! Non, vite! Casse-toi! Oh putain, vite! Non!
Oh, c'est trop chiant, c'est trop dur. Ok, bon, ça sauvegardait juste là. Oh, une pile, ça pourrait être utile. Ok, je trouve une pile du coup. Oh. Ma préférée de Jinx. Rencontrer Jinx dans une pièce 10 fois. Ah, c'est le chat, d'accord. Le chat s'appelle Jinx, d'accord. C'est quoi ça? Oh putain, fais chier. Je vais aller dans la chambre de papa. Oh, j'aurais jamais dû me cacher là. Oh non. Y a encore ce truc avec les jouets, je pense. Ok, non, c'est bon. Ça marche. Il a ouvert une autre porte. J'y vais. Il est pas là, j'espère. Oh, attendez, il y a un truc là-dessus. Oh yes, let's go. Ok, donc on a eu accès au grenier. Un bordel là-dedans quand j'étais bébé. Ok, ok, ok. L'échelle, une échelle, parfait. Attendez, je lâche l'échelle et puis je vais vérifier un peu plus quand même. Oui, pile. Je ne peux pas utiliser ça ici, d'accord, ok. Il y a un coffre là. Ah, c'est pour se cacher. Ah, ça veut dire qu'il peut venir là. Hein. Ça veut donc dire qu'il peut venir là. On dirait qu'une pile est restée à l'intérieur. Je ferais bien de la prendre avec moi. Ok, bah let's go. Je le sens mal, les mecs. Hein. C'est vrai que l'échelle fait vraiment, vraiment beaucoup de bruit. Oh non! Oh merde, putain! Casse-toi, casse-toi. Va te cacher. Non! Oh, wow, c'était quoi ça? Il m'a pas vu me cacher. Il m'a pas vu me cacher. Il m'a pas vu me cacher. Let's go. Oh mon dieu. Oh non. Ça marche. Il part parfaitement là où est-ce que je voulais qu'il parte. Maintenant, je me dépêche, je descends là et je vais là. Parfait, parfait, j'y suis. Cette échelle est clairement assez grande pour me permettre de passer par là. Ok, go alors. Parfait. Oh, let's go. Rends-toi la piscine à boules. Comment je vais pour y aller, moi, maintenant? Oh, oh putain, d'accord. Bibliothèque, le moulin, école, pizzeria. Oh là, je dois choisir où est-ce que je veux aller. Parfait. Pizzeria nuit 1. Conseil, plus haut soit le cours, plus il a de chances de trébucher et de fatiguer. On avait remarqué. Rends-toi à la piscine à boules. Stylé. Mais non. Salut Jeff. Tu restes là tard, gamin. Tes parents savent que tu es là. Ouais, papa a brûlé le dîner, donc pizza y a chance. Qu'est-ce qu'il préparait? Des nouilles ramen. Du genre des nouilles au micro-ondes? Ouais. Ah ouais, je connais. Tu as oublié de mettre de l'eau une fois et l'odeur te hante pour toujours. Ça marche. Ok. Let's go. Bon, c'est reparti. Il faut donc que je retourne rapidement à la piscine à balles pour essayer de retrouver le vrai papa. Donc, ici, normalement. Parce que techniquement, il est là. Papa. Oh, trop stylé. D'accord, je dois maintenant trouver papa. Oh, bah oui, logique. Quoi? Est-ce que c'est cet enfant? Je peux peut-être aider. Il y a un enfant qui crie. Oh, attends. Où ces trois-là sont partis? Parce que ouais, il manque Freddy là. Freddy, Bonnie, Chica. L'enfant, il est là. What the fuck? Aidez-moi, je ne peux pas sortir. Putain, mais attends, l'enfant, il est dans un endo. Comment es-tu rentré là-dedans? Quelque chose m'a attrapé et m'a fourré dedans. On dirait que le costume va fermer d'un coup. Je crois que je peux desserrer les vis avec un tournevis. Je veux en trouver un. Trouver quelque chose pour sortir l'enfant. Employer un lit peut-être? Oh merde. C'est terrifiant. Ah non, je sais, derrière l'estrade. Oh là 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 là. Une boîte de fusibles, papa m'a déjà montré comment en utiliser une. Oh là là, tous les animatroniques. C'est le portefeuille de papa, il doit être quelque part dans le coin. Ok.
Ça fait beaucoup de bruit. Je ne crois pas que c'est utile maintenant. Ok, ça marche. On dirait qu'ils ont tenté de réparer celui-là. J'espère qu'il restera cassé pour toujours. Et je peux faire du bruit en appuyant sur la tête de Freddy, je pense. Ou sur son nez, je pense, du coup. C'est verrouillé, je parie que le tournevis est là-dedans. Si c'est la même pizzeria, je me demande si Jeff a la même clé. Trouver la clé. Donc là, ça veut dire qu'il faut que j'aille voir Jeff. Qui est à l'autre bout. Oh, pauvre gamin. Attends, j'arrive, hein. Bouge pas. Oh merde, j'ai trébuché. Un bon pour Pirate Paluzzi de Foxy. Oula, ça commence à bugger. La porte est verrouillée. Attendez, là, il y a des conduits. Je ne peux pas l'ouvrir, c'est condamné comme ça. Ah. Oh, un jeton. Le panneau indique parti dans la piraterie, à bientôt Moussaillon. Aucune idée de ce que cela signifie, mais je ne vais certainement pas regarder derrière ce rideau. Oh, mais c'est Foxy. Comme d'habitude. What the fuck? Wow. C'est quoi ce délire? Oh merde, arrête de tomber. Mais alors, où est Jeff? C'est à ça que ressemble l'intérieur de ces choses, et j'imagine que c'est mieux que d'être fait de chair et de chair. Et de sang. Ils ont l'air encore plus flippants quand ils sont ouverts comme ça. Comme si l'étagère était une sorte de vitrine de trophées de chasse. C'est vrai que ça ressemble maintenant que tu dis. La clé pour le sous-sol du passé est verrouillée, mais si c'est le même endroit que Jeff's, alors Jeff a peut-être la même clé. Je devrais lui demander. Oui, mais où est Jeff? Sors-moi d'ici. Bon, bah, je vais essayer, mec. Jeton. Pile. Attendez. Je ne peux pas utiliser ça ici. Ok. Une pizza au goût soda, je ne peux même pas imaginer le goût que ça a. Réservez notre salle de fête pour voir pour votre prochain événement privé. Un gâteau Freddy Fazbear officiel offert pour chaque réservation. Oh merde. Putain, j'ai eu deux succès d'un coup. Mais je sais pas où aller dans ce cas. 25 centimes pour des bonbons, je pourrais manger des bonbons jusqu'à la fin de mes jours, mais cela ne me paraît. Mais à mon avis, ça ne plairait pas à maman. C'est clair. Mais ça fait chier, je sais pas comment faire. Oh, mais tu sais où elle est la clé? Mais what the fuck? Devrais-je juste partir? Hein? Ah d'accord, je suis parti comme ça. Ou oh, allez, que faire? Au revoir papa, tu as laissé papa derrière? Attends, quoi? Vous êtes pas sérieux? D'accord. Ok, bah c'est fini. C'est quoi cette merde? Bon. Bon, bien sûr, apparemment il y a plusieurs fins. Donc bon, je ne sais pas si c'était la mauvaise fin, je pense, ou la bonne fin, ou là une fin secrète, je ne sais pas du tout. Mais écoutez, bah en tout cas pour le moment, bah on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que vous l'aurez kiffé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner en activant la cloche de notification pour ne plus rater aucune des prochaines vidéos. Sur ce, c'est Cinabets. On se retrouve très bientôt pour la partie 3 où on va du coup essayer de faire une nouvelle fin. Sur ce, c'est Cinabets. Prenez soin de vous. Bye les gars.